un mental d'acier. Le 7 juillet dernier, après une récidive de son cancer du genou, Mathieu Lartaud révélait sur Instagram qu'il avait été amputé d'une jambe. Le chemin de la rééducation a débuté depuis 2 semaines, avait-il indiqué. Depuis, le journaliste sportif donne régulièrement de ses nouvelles. Ce mercredi 20 septembre, il était d'ailleurs l'invité de Marie Portolano dans l'émission Télématin, diffusée sur France 2. L'occasion pour la présentatrice de lui demander comment il avait réagi en apprenant qu'il allait devoir se faire amputer d'une jambe. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique dans la vie et, mentalement, j'étais prêt pour ça, a-t-il indiqué avec beaucoup d'assurance. Surprise par la force mentale de Mathieu Lartaud, la nouvelle acolyte de Thomas Soto a cherché à en savoir plus sur sa réaction. Comment on peut être prêt pour ça? A-t-elle relancé. Parce que toute ma vie, j'ai vécu avec une jambe malade, quasiment raide. Je souffrais dans mon quotidien et je savais pertinemment qu'un jour ou l'autre cette éventualité existerait, a-t-il répondu, avant d'ajouter, quand ma chirurgienne m'a annoncé que la tumeur était revenue, elle m'a dit que même si le cancer n'était pas revenu, il aurait fallu amputer quand même. Donc je vivais avec cette idée-là, qu'un jour ça pouvait arriver. Claudia Tagbo, Michel Siemes, Clémentine Célarier. Ils ont brisé le tabou sur le cancer. Mathieu Lartaud, ses confidences sur la rééducation, on met un an et demi sur le plateau de Télématin, Mathieu Lartaud est également revenu sur sa rééducation. Car, oui, même s'il a retrouvé le chemin de travail, le journaliste a encore du pain sur la planche pour s'habituer à sa prothèse. Maintenant, ça va, je marche avec une canne, a-t-il d'abord expliqué, avant de conclure, pour l'appareillage, on met un an et demi, à vraiment maîtriser la prothèse, le temps que le moignon, le bout de jambe qui reste, évolue pendant un an et demi. Si est-il ça qu'il faut pouvoir gérer? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 2. I just need